Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Et voici donc le Danemark contre la France. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré Darren d'Angleterre. Le match peut commencer. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le match d'aujourd'hui. Les joueurs en top. Qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Je ne sais pas, mais avec un joueur comme Christian Eriksen, c'est vrai que tout est possible. On le compare souvent à Schneider et Van de Vaart, des vrais techniciens. Mais s'il est en forme aujourd'hui, en plus, il peut faire des étincelles. Long ballon dans le sens du jeu. Giroud qui a un peu d'espace. Ouverture vers le poteau de corner. Lemar, il a de l'espace. Là, il peut centrer. La frappe! Oh, le gardien est là, la classe! Incroyable comment il est allé la chercher, ça semblait se diriger tout droit au fond. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Ça manque un peu de solution. Il a du champ sur le côté. Le ballon s'en touche. Il centre là-bas au second poteau. C'est dégagé, loin devant. Oh, la frappe!
C'est vrai, les défenseurs le surveillent de près. Ils l'ont clairement identifié comme la menace. Schöner. Braithwaite. C'est récupéré facilement. Lemar. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Pogba. Ah ! Voyons ce que va donner ce corner. Surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Il en est maintenant à 6 buts dans la compétition. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais faut pas arrêter là-dessus, faut chercher à faire le break. Braithwaite, la relance côté droit. Lemar qui récupère ce ballon. Il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. Alors lui, il n'hésite pas. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. Un seul petit but d'écart entre les deux. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Pogba qui cherche une solution. Braithwaite. Cornelius. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Schöne. Braithwaite. Belle passe lobée sur l'aile. Oui, bien monté. Allez, ça peut faire mal. Centre. Oh, il l'a récupéré. Sidibé. Voilà un marquage très agressif. Bon, il leur a déjà montré de quoi il était capable. Bon, là, il se méfie. Christian Eriksen. Braithwaite. La passe dans la profondeur. Rien à dire, c'était propre. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. C'est bien joué, il fallait absolument l'arrêter. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? C'est toujours accroché, mais il devrait se mettre à l'abri. Il écarte, il joue sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Oh, le duel. C'est bien donné. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. On attendait un arrêt de jeu, le changement peut maintenant s'effectuer. Ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Quelle occasion, attention! Et ça finit au fond!
chance de deux buts. Ça, c'est tellement bon pour les yeux. Quel but! Pogba a vraiment fait mal à son adversaire ce soir. Pogba qui affole les compteurs avec désormais 7 buts dans cette compétition. Ouais, ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Cornelius s'est joué long vers le poteau de corner. Il est bien monté. Il reçoit le ballon. Et que dit l'arbitre? Corner. Danemark qui effectue un changement. Et voilà, il faut rentrer le tour de contrôle pour essayer d'utiliser cette taille, bien sûr. Tout le match. Ça manque un peu de solution. Bien servi. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Oh, quelle belle performance de leur part aujourd'hui. Franchement, c'est régalé à commenter cette rencontre. C'était vraiment un superbe spectacle. Un parcours parfait, sans aucune tâche, franchement. 3 matchs, 3 victoires, on peut difficilement leur demander mieux. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Eh bien, je crois que c'est très bien de finir sur une victoire, même s'ils avaient déjà assuré leur qualification. Ça montre combien ils ont...